Je m'appelle Jérôme Legout, je présente ici la structure Agoris qui a développé l'Insolite Voyage. L'Insolite Voyage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une offre d'hébergement insolite, écologique, éco-responsable, implantée dans la région de la Brière et l'estuaire de la Loire, à Saint-Nazaire et ses environs. L'écotourisme pour nous, c'est un certain nombre de démarches que l'on va proposer à nos clients, à nos touristes qui viennent donc se rendre dans nos hébergements insolites, avec par exemple des hébergements qui respectent la nature. Alors on a première démarche, c'est la construction d'hébergements, donc des hébergements faits en matériaux naturels, en bois, principalement, donc intérieur comme extérieur. C'est aussi donc la gestion des énergies et des ressources, avec donc une production autonome d'électricité réalisée par des panneaux solaires, et puis on a également la gestion de l'eau, donc l'eau qui sera utilisée dans la cabane, puisqu'en fait on va on va sensibiliser nos clients au respect des ressources naturelles d'eau, et en l'occurrence ils ont un quota d'une cinquantaine de litres par jour à utiliser pour leur consommation. L'anecdote ou ce qui m'a touché vraiment cette année, on a en fait un couple de Suisses très très sensibilisés au respect de la nature en fait, qui sont restés 4 semaines. Donc 4 semaines, et pendant ces 4 semaines, ils ont exploré de fond en comble nos 4 hébergements insolites. Alors ils nous ont fait un petit carnet de voyage où ils nous expliquent donc tout ce qu'ils ont vécu sur cette aventure. Et ça, c'est vrai que c'est assez rigolo.